La présence des autres peut me fasciner, tant leur réalité, leur vécu est énigmatique. Lors de mes premiers échanges à l'école, l'autre est mon contraire, plutôt qu'un double. Il n'est pas possible de me reconnaître en lui, dans son passé encore inconnu, dans sa personnalité. Je l'aperçois chaque semaine sur le chemin de la salle de cours, souvent accompagné d'autres inconnus. Cette difficulté à m'intégrer à un groupe révèle mon impuissance, mon point faible. Chaque jour, il devient de plus en plus urgent de lui parler. Le moindre mot adressé devient une petite pierre blanche, un pas en avant. À cette époque, on trouvait dans les réseaux sociaux la nouvelle toile de fond pour le quotidien de la jeune génération. Tout s'accélérait, tout se multipliait. Aujourd'hui, cette toile est passée au premier plan, mettant à mal le regard et le toucher, valeur propre à l'art théâtral. Les autres demeurent inaccessibles. Pourtant, mon isolement a commencé à 17 ans, avant l'approche du monde virtuel. En soi, la virtualité n'a rien de nouveau. Elle a toujours existé. Avant, elle était peut-être plus mentale et plus lointaine, alors que depuis l'ère 2.0, elle est matérialisée par les écrans. Dans cette vie privée de sociabilité, je découvre un autre monde, le mien. Sans aucune présence pour exprimer mes pensées, l'écriture a été le seul recours. On y vient par accident au début. Mon premier carnet décrivait des ressentis nouveaux. Dans ma famille, l'expression des sentiments n'était pas encouragée. Mon plus grand tort a été de m'expliquer, de faire la lumière sur ma différence, au lieu de m'engager. Mon père, cinéphile, fut à l'origine de ma découverte, de ma passion pour le cinéma. J'appréciais en particulier les films d'auteurs français. Il décrivait une autre réalité, un ailleurs, loin de ma chambre ou de la salle de projection. Lors de mes premiers cours de théâtre au lycée, un enseignant nous évoquait des grands noms de la mise en scène, dont Patrice Chéreau. Mon intérêt s'est déclaré en premier lieu pour son cinéma, à commencer par « Ceux qui m'aiment prendront le train », et puis en découvrant le drame « Son frère ». Une scène m'a marqué en particulier. On y voit le personnage principal, joué par Eric Caravaca, dans un appartement avec la compagne de son frère. Elle est sur le point de partir. Plus ils sont proches l'un de l'autre, plus la caméra les filme de près. Cette scène, a priori banale, bascule au moment où leurs têtes se touchent. Ils finissent par s'enlacer. Grâce au DVD, il était possible d'écouter les commentaires du réalisateur. Ils décrivent ce rapport, leur rapprochement, le contact de leur peau, leur étreinte. En une minute, la beauté de cette séquence, tout comme la direction d'acteur et l'expression des corps, m'a captivé. Car ce besoin de lien intime était une grande nouveauté à 18 ans. Tous les adolescents en font l'apprentissage. Pour la première fois, le sujet du corps m'est apparu. Son frère est mon premier souvenir fort d'une œuvre physique. La sensualité m'a touché d'abord sur les écrans de cinéma. Ce film a eu sur moi l'effet d'un coup de foudre cinématographique. Il occupe une place très importante dans mon panthéon culturel. Il m'a habité pendant presque 10 ans, pendant lesquels j'ai revu cette séquence en boucle. J'en avais fait un guide pour ma jeunesse. Adolescent anxieux et mélancolique, mon but sera, dans mes futures rencontres sentimentales, d'exprimer ce désir violent. Il n'est pas facile de façonner sa propre vie à travers le cinéma. L'identification s'est opérée par le 7e art, le monde des images, pour fuir ma réalité. Depuis lors, la fiction s'est substituée à mes vraies rencontres. Thank you.
Pourtant, il n'était pas trop tard pour sortir de soi. Certains se définissent comme des personnes tardives parce qu'ils s'obstinent à déterminer une limite d'âge à leurs premières expériences. À 20 ans, mon sentiment était de ne pas prendre le train en route. Chaque année me semblait un âge décisif pour mon avenir. Il est difficile d'accepter son propre rythme. En 2009, je rentre au Conservatoire régional de Besançon. C'était la fin de 8 ans de pension, dont les 5 premières années se sont passées dans un établissement privé, anciennement catholique et aux mœurs encore puritaines. Est-il imaginable qu'en 2005-2006, un adolescent devait embrasser sa petite amie en cachette d'un surveillant par crainte de recevoir une sanction? Les premiers flirts amoureux étaient vus d'un mauvais œil par les enseignants. Par la suite, il a été difficile de m'affranchir de cette éducation. Par ailleurs, nous nous retrouvions chaque vendredi de 18h à 20h à l'atelier de danse contact donné par Maddy Boucon. Il débutait toujours par le changement de tenue pour porter des vêtements plus souples, plus neutres. Ce cours réunissait des étudiants du 2e et 3e cycle. À l'examen d'entrée, on m'avait admis en 2e cycle. L'objectif de cet atelier était de nous sensibiliser à la conscience corporelle. Mon esprit a tout de suite associé ces mots au film de Chéreau. Nous explorions le contact, le toucher, la peau, sentir les présences. Notre corps restitue notre rapport au présent. Au début de notre apprentissage, le présent était peut-être le premier mot pour évoquer le théâtre. Il n'était pas anodin de se retrouver aussi proche entre nous, alors que nous connaissions à peine les prénoms des uns et des autres. Le poids, la force, le mouvement étaient au cœur des exercices. Il nous était enfin possible d'oublier nos pensées, de ne plus réfléchir. Ce cours fut mon premier échange avec ces nouveaux étudiants. Petit à petit, une intimité se créait. Cette initiation a suscité une question personnelle. En quoi la pratique théâtrale peut-elle changer notre rapport à l'intime ? Grâce à ces séances de danse contact, il était dorénavant possible de donner des premiers éléments de réponse à la question « Pourquoi je veux faire du théâtre ?» Mes études à Besançon ont duré un an. Ce qui restera le plus frappant est le contraste entre ces nouvelles relations de groupe chaque vendredi et notre vie sociale en dehors. Aucun autre lieu de la ville ne représentait un espace de rencontre, y compris l'université où les étudiants disparaissaient dès la fin d'un cours. Un enseignant de l'université de Strasbourg, Olivier Neveu, avait prononcé cette phrase « Des rencontres nous bouleversent, mais aussi les œuvres. » Nous connaissons des révélations. Tout part d'un déclic, d'un catalyseur dont il est important de se souvenir. Certains deviennent des balises, des piliers culturels auxquels on se réfère pendant une longue période. Ils marquent nos cycles, nos décennies. Une œuvre est un livre ouvert sur notre monde intérieur. Un choc littéraire ne s'explique pas. Le plus simple est de revenir aux mots. Je n'avais pour but que l'enfance. J'étais fait comme tous de matière sensible. Ce recueil, Poésie ininterrompue de Paul Éluard, évoque pour moi la jeunesse, avec l'innocence et la fraîcheur qui s'y rattachent. Ces mots traduisent cette faculté à ressentir nos émotions au plus profond de soi. Il y est surtout question de la solitude. Chaque page était un reflet. Ces mots pouvaient être ceux d'un jeune homme de 20 ans, comme je l'étais. Écoutons ce qui dort en nous d'inexprimé. Franchissons nos limites. J'avais faim. J'avais soif d'un contact. Très tôt, ces vers m'ont évoqué le théâtre et le soir distribuer les rôles. Dire ces mots sur un plateau était une manière de faire une déclaration à cette poésie. Je considère chaque art comme un hymne à la nature. La découverte de ce livre coïncide avec le début de ma formation à Strasbourg.
et depuis, il ne quitte plus ma table de chevet. Ma première expérience de comédien fut en juillet 2011 dans le cadre d'un stage de clown à la Bégutte de Mazanque, dans la Drôme. Mon souhait était d'aboutir à un solo intime sur le rapport entre le clown et la poésie. Mon apparence était sans surprise celle du clown blanc, vêtu d'un pantalon de sport rouge et d'un large débardeur jaune, le visage maquillé de lignes bleues partant des yeux et traversant les joues. Ma première idée a été de faire un montage à partir de ce livre écrit en vers libre, sans ponctuation. C'est au comédien de phraser cette langue, cette pensée. Cette poésie offre une grande liberté à l'interprète, car il peut ouvrir le livre à une page au hasard et parcourir le recueil. Au lieu de me découvrir au contact des autres, par leur fréquentation, comme il l'aurait été souhaitable, mon identité s'est en partie révélée à travers ces mots, grâce à ces vers. Comme metteur en scène, Christian Rist faisait goûter la poésie à ses comédiens. Son ancienne compagnie, le Studio Classique, représentait pour Denis Podalydès la comédie française avant d'entrer à la comédie française. Mon entrée au Conservatoire Régional de Strasbourg a lieu en 2010. Dans cette classe d'interprétation, on a abordé entre autres le théâtre de Molière, Corneille et l'écriture de Fernando Pessoa. Au premier cycle, la scène préparée pour mon examen de fin d'année était le monologue d'un martyr dans une pièce du XVIe siècle, Aminte, de Torquato Tasso, dit le Tasse. La langue classique n'avait pas de secret pour Rist. Toute l'attention était portée sur la prononciation des mots, des syllabes. Les vibrations vocales sonores révélaient la poésie de l'alexandrin. Rist n'était pas un enseignant qui donnait cours comme on pouvait s'y attendre. Il nous invitait à une exploration. Avec le recul, je suis frappé d'observer par quels aspects son approche était novatrice. Il n'était pas directif. Il comptait sur l'autonomie de ses étudiants. Autant dire que sa pédagogie n'était pas adaptée aux élèves qui suivaient leur premier cours de théâtre. Néanmoins, nous étions quelques-uns à faire confiance à son passé professionnel à Paris assez peu connu. Il était d'une modestie exemplaire. Avant d'aborder l'écriture d'un poète ou d'un rôle, les comédiens se préparaient aussi bien sur le plan physique que mental. Chaque cours commençait par un long exercice de respiration afin de se sentir détendu, pour capter un mouvement qui agit sur le diaphragme et le ventre. On ne pensait pas encore aux mots, à la parole. L'objectif était de penser tout ce qui précède le texte. L'espace, l'autre, le regard avait toute son importance. Fermer les yeux au début pour ensuite les ouvrir et voir ses partenaires. Notre priorité était de trouver un état corporel qui nous permettait de délivrer la voix, puis un mot, une pensée. Rist désignait cette mise en route comme un rêve éveillé. Sentir. Travailler et transformer la matière intérieure de chacun pour en arriver à libérer une énergie. Être à l'écoute du message de son corps. C'est à partir de la deuxième année que l'exercice est devenu plus limpide. Ma pratique était toujours vécue comme un passage entre ma vie quotidienne et mon rapport à l'espace. La frontière demeure poreuse entre les deux. Les consignes de Rist m'ont permis de faire un lien avec le cours de danse contact à Besançon. À mes yeux, le mot le plus approprié pour décrire son approche de la scène est le mot « social ». Mais Rist n'a jamais cautionné ce terme. Le social n'a pas d'autre définition que celle du lien avec autrui. Ce travail m'a inspiré cette thématique du corps social. Sa meilleure indication était de jouer le moins possible. Tout provenait de notre charge intérieure, de cette faculté à contenir nos états. La mise en scène n'avait pas vraiment de sens dans son travail. La représentation était entre les mains des comédiens. Lors d'un projet d'étude autour des fragments de Pessoa, une simple rangée de chaises délimitait l'espace de jeu.
et le texte était distribué entre quatre étudiants, sans ordre dans la prise de parole. Les spectateurs étaient invités à suivre la représentation depuis une chaise ou sur un tapis de gymnastique distribué à l'entrée. Ce projet était presque inédit dans un établissement comme le Conservatoire régional, qui ne se prêtait pas à l'expérimentation et à la performance. Un an avant le départ de Rist à la retraite, le cursus s'est partagé entre ses cours et ceux d'un comédien arrivé à Strasbourg depuis peu, Olivier Achard. Ancien membre de la compagnie de Jean-Luc Lagarce en Franche-Comté, son projet était de nous initier au répertoire contemporain. Après mes études avec Olivier Achard, il n'était plus possible d'envisager une pratique artistique sans la discipline, la rigueur et l'endurance. Achard était exigeant et sévère. L'exigence est primordiale de la part d'un pédagogue ou d'un metteur en scène, alors que la sévérité s'apparente à un excès d'autoritarisme envers l'étudiant. La discipline ne m'a jamais posé de problème, à cause de l'éducation rigide de mon père. La rigueur consiste à poursuivre le travail au quotidien et pendant plusieurs semaines. Achard déplorait la complaisance par-dessus tout. Il n'était pas concevable de se contenter d'une ou deux répétitions. La recherche était prépondérante. Et l'endurance est la capacité à maintenir notre concentration en répétition, quel que soit notre état. Avec Achard, il n'était pas possible d'exprimer des états d'âme et d'évoquer le manque de sommeil ou le repas de midi. En règle générale, selon moi, un metteur en scène se contrefout de la fatigue d'un interprète. Son argument était que nous étions là pour acquérir une discipline de fer. L'école d'art nous apprend à se forger un caractère. Une absence à un cours était admise que dans très rares cas. Avoir l'école comme unique vie ne m'était pas inconnu. Mes 8 années de pension m'y avaient préparé. Les grands pédagogues parviennent à déceler en vous des sentiments que vous ignoriez. Une anecdote de ma dernière année est assez singulière. Arrivé en avance au cours du mardi soir, le professeur me regardait errer dans la salle et prononçait quelques mots pour lui-même. Vous êtes un garçon triste, Christophe. Vous êtes triste. Sans rien répondre, il ne m'était pas venu à l'idée de le questionner ou de le contredire. Quelques mois plus tard, après quelques crispations dans notre rapport, nous avons repris, à la rentrée des vacances de Pâques, un nouveau travail. La classe, réunie debout en face de lui, l'écoutait, jusqu'au moment où il s'est interrompu en me regardant. « Ça va, Christophe ? Mais vous êtes triste ?» Il est difficile de dissimuler notre nature personnelle qui est au départ de notre identité. Une sévère engueulade aura lieu durant ma 3e année. Les apprentis comédiens étaient nombreux à se présenter au concours d'une école nationale supérieure, désignée comme la voie royale. Achard n'envisageait pas que son rôle soit de nous préparer au concours des grandes écoles. Malgré tout, nous avons été quelques-uns à lui présenter nos scènes en vue de cet examen. Il n'approuvait pas ma scène contemporaine. J'avais choisi un texte du dramaturge allemand Falk Richter. Achard avait jugé ce répertoire trop austère et trop âpre, et que les chances n'étaient pas de mon côté. Un jury ne parviendrait pas à me reconnaître dans ce type de rôle. Selon lui, cette erreur prouvait mon manque de maturité. Il avait fini en définissant ma présence comme trop naïve, sage et douce. Ces mots ont eu un réel impact. Car pour la première fois, j'ai eu le sentiment qu'un pédagogue mettait des mots non seulement sur mon jeu, mais sur ma nature. Parvenir à nous tendre un miroir sans nous étiqueter pour autant est une qualité rare qui relève d'une grande intelligence. D'une certaine manière, je lui en suis reconnaissant. Bien entendu, les résultats n'ont pas été en ma faveur. Il existe des mots pour lesquels on s'attache, d'une manière obsessionnelle. Je les ai découverts au cours d'une lecture ou d'un travail d'écriture. Depuis le début, mon but dans l'écriture est de me définir, de mettre des mots sur ma personne. À travers ces pages,
Mon intention est de livrer mon point de vue sur le corps social. Je le définis comme une rencontre de l'autre différente de celle vécue dans notre quotidien, dans notre société. Cette démarche nous amène à aller de soi vers le collectif. Ce sujet est tout aussi important que la découverte de la corporalité, c'est-à-dire de notre nature corporelle. Elle s'est passée en premier lieu à travers un film, une œuvre. Ensuite, je l'ai abordée dans un cours d'art dramatique, jusqu'à vivre ce corps pendant une performance sur scène. J'aurais pu arrêter l'écriture à ce moment-là, à la fin de l'adolescence. J'en avais fini avec cette période que je comparais à un match de football. La première mi-temps a lieu entre 12 et 15 ans. Puis vient la seconde de 15 à 18 ans. Et arrivent les prolongations, pendant nos études supérieures, où l'on croit se redécouvrir. Le début de l'âge adulte à la majorité est une illusion pour moi. Nous connaissons l'image du cordon ombilical coupé à la naissance. Elle évoque le détachement avec nos parents et devient le symbole de notre autonomie. Or, mon besoin n'était pas de défaire ce lien, mais de le reconstruire avec une autre personne que mon père ou ma mère. Je n'ai jamais trouvé cette personne. Une autre vie a continué après cette adolescence. Quels souvenirs concrets ai-je gardé de ces interactions, de ces échanges ? Cette quête se poursuit, car mon cordon demeure dans le vide. En revanche, je reste lié à ma nature personnelle, intérieure, fragile. Ce lien est indéfectible. Notre nature nous différencie de notre entourage. Parvenir à quitter mon monde personnel pour rejoindre la réalité, j'en reviens toujours à la même problématique. Sortir pour voir la vie des autres. Je parviens avec beaucoup de difficultés à entrer dans le monde de la nuit, à me familiariser avec ses codes. La nuit est une vie d'obscurité. Elle m'oblige à me conformer au groupe. Or, j'ai toujours fui toute forme de collectif. Pendant une fête, tout le monde cherche à se ressembler. Les rencontres demeurent bâclées. Je ne me reconnais pas dans ce comportement sauvage, désinhibé. Je fais honneur à la lumière. Elle m'éclaire et symbolise le réel. La faute principale est de pratiquer la danse, la peinture, la musique, l'écriture ou le théâtre pour la gloriole, au lieu d'approcher sa propre vérité. Je m'oublie rarement. Je vis en permanence avec moi-même. Comment me suis-je construit socialement ? Tous mes textes abordent cette question. Une part de moi ne grandit pas. Lors des soirées à Bruxelles, il m'est arrivé plusieurs fois d'exposer mes valeurs, mais elles demeuraient incomprises par les étudiants de mon entourage, étant donné l'écart avec la norme. L'intime, tel que je le concevais, n'était pas favorisé dans les relations. La peau n'avait plus sa place dans notre quotidien, alors qu'à mon sens, tout part de là. D'année en année, je faisais le constat négatif d'une crise de l'intime dans notre société. Il me paraît que nous allons de désillusion en désillusion au fil du temps. J'ai toujours eu un contact privilégié avec les adultes, plutôt qu'avec les personnes de mon âge. Sortir de ma génération est la leçon de vie la plus importante que j'ai reçue à Bruxelles. J'ai continué d'écrire. Au départ, pour combler un vide, un mal existentiel. Mon rapport à l'âge est depuis longtemps un sujet délicat. Et au fil de l'écriture, un objectif s'est éclairci, celui de raconter ce que je définis comme une expérience sensible, un état vierge, inconnu dans notre société. Tout me vient des films que j'ai vus pendant mon adolescence. Écrire nous ouvre les portes de notre sensibilité. Ma décision d'écrire cet essai a été prise le 5 novembre 2020, 2 mois jour pour jour avant mes 31 ans. Il m'est nécessaire de reprendre depuis le début, 12 ans auparavant.
Au milieu de cette période, j'ai passé la frontière pour m'installer en Belgique. Cette limite marque la séparation entre deux pays, entre mes études et mes débuts comme comédien, entre mon adolescence imaginaire et ma vie d'adulte. Mon choix pour le théâtre restera toujours un mystère. La musique occupait une place dans mon enfance par mon père qui exerçait la profession de facteur d'orgue. Je reste souvent discret au sujet de son métier, employant les termes de menuisier ou artisan. Et si mon interlocuteur témoigne de la curiosité, alors j'énonce sa spécialité. Aussitôt, les gens expriment leur étonnement ou leur admiration. Je n'aime pas susciter la stupéfaction. Bien que mon père n'ait été ni compositeur ni interprète, la musique était présente dans sa vie professionnelle. Et il avait l'habitude de m'emmener à des concerts d'orgue. Pourtant, j'ai préféré un art littéraire. Grâce à mes études à Strasbourg, j'ai réalisé que ce choix des mots au lieu des notes était pour le moins évident. Il me semble plus sûr d'atteindre la sensibilité du public par la musique, car elle ne requiert pas la même écoute, la même concentration qu'un texte. Le texte fait un cheminement plus complexe, plus mental chez le spectateur. Alors que la musique est un langage pur, plus direct, moins cérébral. Un texte passe par le corps du comédien. Est-ce qu'il peut se suffire à lui-même ? L'écriture sera une autre voie, une affaire plus personnelle. Écrire est une activité presque anodine pour un comédien, à en croire les journaux ou écrits théoriques de certains hommes de théâtre. J'étais donc tenté de me munir d'un crayon et de papier pour aborder ma propre pensée. Ma découverte des films d'Agnès Varda m'a inspiré ce parcours éclectique. Sa carrière en est le parfait exemple. Elle a débuté comme photographe à Avignon avant de se consacrer au cinéma. À 80 ans, elle s'est levée un matin avec le projet de devenir plasticienne. D'autres personnalités ont pratiqué plusieurs arts. Certains sont décrits comme des touche-à-tout. Parmi eux, je pense à Maurice Béjart, à la fois connu comme chorégraphe, danseur, metteur en scène, auteur et cinéaste. Du côté des écrivains, Jean-Philippe Toussaint est parvenu à construire une œuvre alliant la littérature et le cinéma. Michel Houellebecq s'est aussi essayé au cinéma. Qu'il soit bon ou mauvais comédien, là n'est pas la question. Il en va de même pour des figures aussi inspirantes qu'Hervé Guibert ou Marguerite Duras. Je ne suis pas artiste. Je ne le serai pas pour autant à la fin de ce texte. Dans un entretien, le réalisateur belge Joachim Lafosse observe qu'un seul film n'est pas suffisant pour se définir comme cinéaste. Il en va de même pour un peintre après un premier tableau. Je suis arrivé à un âge, à la fin de mes études, où je me suis défini comme un esthète, dans la mesure où je voyais la vie à travers les films et les livres. À la fin de mes études en 2014, l'idée d'un stage autour du corps social avait mûri. Je n'ai jamais remis en question que le théâtre a une fonction sociale. Mon objectif consistait à se réapproprier des valeurs mises à mal dans notre société, mais toujours avec le souci de ne pas intellectualiser ma démarche. De même, je ne propose pas une thérapie. Mon intention n'est pas de transmettre, mais de partager. J'avais développé une théorie. Le moment était venu de la mettre en pratique. Les stages ont beaucoup compté pendant mon cursus. Pendant quelques semaines, le plus souvent en été, on suit un nouvel apprentissage encadré par des intervenants différents de ceux qu'on côtoie durant l'année académique. Grâce à ces expériences, je n'appartiens pas à un sérail ou à une troupe. Le mot le plus juste pour résumer mon expérience est l'immersion. Je me concentrais uniquement sur le déroulement des journées entre les différents ateliers, les répétitions, mon travail personnel et les échanges avec les autres stagiaires. Je ne reculais pas devant ces journées intensives de travail. À Bruxelles, j'ai contacté en premier l'association Circonflexe,
après ma découverte de la revue gratuite Cirque en Capitale, dédiée au cirque contemporain. Un numéro était consacré au corps social. Il y a été question de l'attention à l'autre, du dépassement de soi, d'ancrage. Depuis 2015, je suis attiré par le cirque contemporain que je considère comme une forme de contre-culture, de mode de vie à part entière. Une autre société se forme, hors du commun. Le corps social est une expérience de l'autre tout à fait nouvelle. J'ai lu un autre texte écrit par un enseignant de la Cambre, Antoine Pickels, consacré à l'École nationale des arts du cirque de Bruxelles. Il évoque l'importance pour les étudiants d'avoir une vie en dehors de l'école, pour laisser libre cours à leurs pulsions, se frotter à la réalité de la ville et ainsi perdre leur innocence. Les expériences collectives renforcent la promotion d'une école. Je comprends que l'individualisme n'est pas approuvé dans une troupe. Cette seconde vie s'apparente aux prolongations de l'adolescence. Voilà l'étape culminante. L'important est d'approcher cette réalité, sans s'y engouffrer. L'accueil de l'ASBL Circonflexe avait été très chaleureux. Mon dynamisme les avait marqués. Comme je n'étais pas diplômé d'une école de cirque et n'étant pas formé à gérer des adolescents novices et issus des quartiers populaires, la collaboration n'a pas eu lieu. Privilégiant le contact direct, j'ai démarché dans les bureaux de nombreuses associations. On m'a suggéré d'adresser ma proposition par mail. L'informatique devenait le seul moyen de communication. Les nombreux messages sont restés sans réponse. Mon démarchage aura duré 3 ans. Quand l'occasion me fut donnée de me présenter à un entretien, je n'étais pas pris au sérieux, en particulier si je n'étais pas recommandé par une tierce personne. Étant à l'initiative d'une nouvelle forme de stage, certains souhaitaient découvrir une étape de travail avant de me proposer une collaboration. Je rends compte du réel. Ce vers de Paul Éluard résume bien l'ambition de tous les artistes. Je crois que leur volonté est de saisir le réel, l'authenticité pour le transmettre. J'ai assisté en 2011 à une lecture de poésie par Jean-Louis Trintignant. Curieux de connaître son approche du métier, le documentaire Un honnête homme m'a beaucoup appris sur l'acteur et le père. À la fin, il transmet comme leçon de ne pas avoir de certitude. Penser que rien ne nous est arrivé. J'ai adopté cette philosophie au-delà de la scène, refusant de valider mes propres expériences et oublier les excès pour en revenir à une virginité. Refaire le chemin, reconstruire, réapprendre, revenir à la source. L'art me l'a enseigné. À Strasbourg, un enseignant de danse contemporaine, Jean-François Durour, nous avait transmis cette expression « oublier nos acquis sociaux ». Les danseurs parlent de laisser leur sujet à l'entrée de la salle. Dès mon arrivée à un cours, à un stage, je m'efforce d'oublier mon emploi alimentaire, mes orientations de tout ordre, social, religieux, sentimental, mon histoire familiale, mes études. Je m'applique aussi à consulter le moins possible ma messagerie électronique et les médias. Au théâtre, nous ne sommes plus personne. J'étais résolu à suivre cette attitude lors d'un stage de 5 semaines en Corse. Cette expérience s'est vécue au cours d'une période charnière, celle de mon déménagement de Strasbourg. Nous étions plusieurs comédiens de toute génération, répartis dans différents ateliers, encadrés par un intervenant professionnel. 55 personnes étaient réunies dans une bâtisse qui fut l'ancienne école d'Olmi Capella. Les journées étaient organisées de 7h à 23h. Chaque activité se déroulait en groupe. Aussi bien les repas en extérieur, les répétitions, les déplacements d'un atelier à un autre, les randonnées dans la nature et les sorties au bar le soir. Le groupe devenait presque fusionnel. L'aventure commençait. Nous n'en finissions plus d'admirer le panorama pendant l'apprentissage de nos textes ou d'écouter les chants accompagnés à la guitare dans la cour de notre lieu de résidence. De plus,
La séparation avec le continent nous donnait l'impression de fuir notre quotidien. La dernière semaine était consacrée à la rencontre avec le public. Les représentations se déroulaient sur des estrades montées au beau milieu de la campagne du Giussani. À la fin du stage, certains étaient nombreux à appréhender le choc du retour, à subir un décalage entre leur expérience à l'île de Beauté et leur arrivée au métro, à la sortie de l'aéroport. L'ARIA, en 2014, compte parmi les stages les plus singuliers et uniques. Je pourrais presque parler d'un avant et d'un après, d'une transformation, comme pour toute expérience qui se rapproche du corps social. Changer le monde n'a aucun sens si le changement ne commence pas par soi. Il suffit d'en avoir la volonté et de trouver les moyens. Il est possible de cultiver l'effacement, revenir au rien. Depuis 2014, j'exerce l'activité de modèle vivant. On commence par s'installer dans un espace, l'atelier de dessin. Le dessinateur a un regard vierge vers un autre corps. Un premier contact avec l'inconnu. Immobile, passif. La découverte s'arrête au nu. Une intimité se dévoile devant les étudiants. La possibilité d'une rencontre. Cette relation muette est la plus naturelle, car elle se dispense des mots. Le cours de dessin est peut-être le seul endroit de la ville où le regard retrouve son sens. Chaque art a son langage, son vocabulaire. La pose du modèle révèle ses lignes, ses volumes, ses lumières, ses peaux, son regard. La nudité représente la seule vérité propre à la personne. Pourtant, l'étrangeté de l'autre, de la femme ou de l'homme, demeure un mystère. L'art nous montre une représentation des corps, de cet élément de la nature et du présent. Cela dit, il est objectivé par les étudiants. La tentative pour le modèle de former une relation est vaine. Donc, cette expérience n'appartient pas au corps social. Lors d'un examen d'entrée, l'enseignant avait donné pour consigne de raconter quelque chose d'un inconnu, en l'occurrence le modèle. Un paradoxe ne se résout jamais. D'autre part, j'avais été interpellé dans un entretien où l'homme de lettres Jacques de Decker décrit la littérature comme un comportement humain qui consiste à écrire ce qu'on ne connaît pas. Son propos pourrait s'appliquer à tous les arts. Il poursuit en expliquant que l'enjeu d'une œuvre d'art réside en son discours sur le réel. Les personnages muets sont souvent les plus beaux rôles. En 2017, j'avais rejoint un projet du chorégraphe belge Yann Martens et du cinéaste flamand Lucas Dont. La performance s'appelait « The Common People ». Les Brigittines et le Börse Coburg étaient les deux théâtres partenaires où se sont déroulées les deux représentations. Le concept était la rencontre sur une scène vide de deux individus inconnus l'un de l'autre. L'ambition était que le corps retrouve une place centrale dans la rencontre. Chacun avait suivi deux ateliers préparatifs avant la première. Les 40 participants avaient reçu le soir même un protocole qui décrivait leurs actions scéniques. Les rencontres se passaient sans parole. Chaque duo ou trio se succédait sur scène dans un ordre de passage établi par les organisateurs. Parmi les deux représentations, je retiendrai surtout la seconde. Selon le protocole, la rencontre allait durer environ 4 minutes. Au signal de l'organisateur, je suis entré sur scène pour rejoindre mon ou ma partenaire. En l'occurrence, c'était une fille. Je me suis arrêté à 5 mètres d'elle. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant 20 secondes. Puis elle s'est approchée lentement de moi. Nos regards ne se quittaient pas. À mon tour, au bout de 10 secondes, je me suis approché pour déposer ma joue contre la sienne. De nouveau, un temps de 10 secondes s'est écoulé. J'ai mis mes deux mains sur ses épaules. À son tour, elle a posé ses mains sur mon corps. Nous avons tenté de nous déplacer dans l'espace sans jamais perdre le contact entre nous.
Une minute après, nous nous sommes séparés. Un court silence s'est installé. Puis, elle a caressé délicatement mes lèvres. Après ce contact, j'ai reculé d'un pas. À la fin, nous avons juste échangé nos prénoms. Elle s'appelait Axel. Le public a applaudi, comme après chaque rencontre. Et Axel m'a pris une dernière fois dans ses bras avant de nous séparer. C'était la marque ou le témoignage d'une expérience intense, profonde, un instant rare et sensible. Au bar, après la représentation, des spectateurs nous ont dit avoir assisté à un vrai coup de foudre. Au sujet de cette nature corporelle, j'ai fait une autre rencontre, cette fois en dehors de la scène ou d'un cours de théâtre, dont je conserve les traces encore aujourd'hui. Antoine Vitez a écrit « Le théâtre est source de toutes les transformations. » Je ne connais pas de mots plus importants depuis ma découverte du film de Chéreau. La transformation commence à partir du moment où on quitte sa zone de confort, pour se mouiller. Avignon est la seule ville où j'ai eu l'impression de marcher dans les pas des grands créateurs. Leurs esprits hantent les rues et les scènes de théâtre. Je n'ai pas de penchant pour la spiritualité. Mais je n'ai aucun mal à dire que cette ville a une âme. Je redécouvre la cité des poètes. Dès mon arrivée, je constate l'atmosphère euphorique dans les rues où je m'aventure, la sollicitation des comédiens, les terrasses bondées des bars tous les soirs. Le vent s'engouffre dans les rues, nos peaux sont la cible du soleil. Les festivaliers, comédiens et spectateurs sont portés par l'énergie du festival. Pendant 5 jours, toutes les barrières sont tombées. Les gens se laissaient aborder facilement. Une osmose, une magie se produit. Lors d'un après-midi, en traversant une place, je prête attention à la trajectoire d'un cycliste en face de moi, jusqu'au moment où je croise son regard. Cet instant inattendu provoque une sensation nouvelle, éphémère, vibrante. 2 ou 3 jours plus tard, je me rends à l'ancienne caserne des pompiers, devenue un théâtre, pour assister à un spectacle. Je revois ce cycliste devant l'entrée. Je découvre qu'il a un spectacle programmé dans le festival Off, un solo de jonglage chorégraphique. Je me renseigne sur sa compagnie et surtout sur le nom du jeune inconnu. Je préserve son anonymat. Je ne vais pas au bout de mon acte d'écrire. Je ne vais pas tout livrer, par crainte ou par malaise. Alors que, selon moi, l'essai littéraire suppose une exposition de soi, sans limite, sans retenue. Devant le théâtre, je ne le quitte pas des yeux pendant qu'il discute. Une fois terminé, il s'éloigne et passe près de moi, alors que je suis au téléphone. Nos regards se croisent de nouveau. Je suis subjugué par son sourire. Il ne s'en rend peut-être pas compte. Il lui arrive peut-être de sourire à toutes les personnes qu'il croise. J'interromps ma conversation téléphonique et m'empresse d'aller à sa rencontre. D'ordinaire, ce comportement ne correspond pas à mes habitudes. Ma coquille s'ouvre à nouveau. Je lui demande s'il est originaire de Strasbourg. L'occasion de voir son travail s'était peut-être présentée auparavant. Il sourit. Ses yeux sont remarquables. Je distingue tout juste les lignes nettes de son buste derrière le décolleté de sa chemise. Il ne m'est pas possible de venir le lendemain pour le voir, car le mardi est son jour de relâche, et le surlendemain est la fin de mon séjour. Après l'avoir quitté, je me sens complètement enivré. Je n'ai plus qu'une envie, repousser de 2 jours mon départ. Mais je me fais une raison, tout a une fin, ou presque. Les jours suivants, je lis, j'écoute des entretiens, je regarde des vidéos de sa compagnie « La main de l'homme », je me renseigne sur son parcours, ses études, les villes et les pays où il est parti en tournée. Il a 36 ans,
8 ans de plus que moi, un physique étincelant. De plus, son talent le sublime davantage. J'admire sa percée professionnelle dans le milieu du spectacle vivant. Je comprendrai bien plus tard à quel point l'idéalisation abîme les relations. En consultant son site, j'apprends qu'il donne une représentation de son solo à Strasbourg le 2 août, le lendemain de mon retour d'Irlande. J'hésite quelques instants. Est-ce que je vais faire un aller-retour Bruxelles-Strasbourg avec une nuit à l'auberge de jeunesse pour voir une performance de 30 minutes ? Je décide que cet été ne sera pas comme les autres. Je m'occupe des réservations. Je lui envoie un message pour le prévenir de ma venue. Ses coordonnées figurent sur le site de son ancienne école de cirque à Châlons en Champagne. Il répond qu'il est content que je vienne. Le mercredi 1er août, j'atterris dans la soirée à Bruxelles. Le lendemain, je me rends à Strasbourg en voiture. Mon intention est de le rencontrer après le spectacle, d'avoir un échange avec lui, de prolonger un tête-à-tête et que la nuit dure. Mon fantasme allait trop loin. J'assiste à la représentation le soir à 19h. Je connaissais déjà le concept et le sujet grâce à plusieurs extraits visionnés sur Internet. Je revoyais ces images depuis ma place au deuxième rang. Je reste attentif à l'esthétique et à l'univers artistique. Après les applaudissements, au lieu de me lever pour rejoindre la sortie, je reste assis dans les gradins et je regarde la scène vide. Je n'avais jamais osé jusqu'à maintenant. Ni les ouvreuses, ni les techniciens ne me demandent de quitter la salle. Je leur dis de ne pas prêter attention à moi. Le circassien revient des coulisses, me reconnaît et me sourit. Je le complimente et j'accepte son invitation à boire un verre au bar du théâtre. En présence des régisseurs, nous évoquons son parcours, les souvenirs du Festival d'Avignon, sa copine musicienne. Elle est clarinettiste. J'ai une sorte d'admiration pour les musiciens, parce qu'ils m'évoquent la vie sociale et professionnelle de mon père. La soirée se poursuit dans un autre bar. Réunis les 6 autour d'une table, ils commandent un plateau pour un apéro dînatoire auquel je participe de 5 €. Pendant la soirée, il nous montre sur son téléphone les photos de son pied-à-terre dans les Calanques, à Marseille, où il se rend régulièrement avec sa copine Juliette. Les photos sont très belles. Elles révèlent le paysage et une part de leur intimité. Au fil de la discussion, j'évoque enfin mon premier souvenir de lui, son passage à vélo. Je lui parle de son regard qui a déclenché mon envie de découvrir son travail sur scène. Je lui confie l'importance que j'accorde au regard dans les échanges. Il adhère à mon point de vue. Le regard de l'autre nous crée. Il me montre sa main en pensant que j'allais taper la mienne contre la sienne à la manière des bons camarades. À l'inverse, je plaque ma paume contre la sienne. Nos doigts s'entrelacent quelques secondes. Jean Villard a écrit « Il faut comprendre avec la peau ». Nous rejoignons nos hôtels peu après minuit. Il rentrait à Paris le lendemain, son train était à 8h. À l'auberge de jeunesse, je ne ferme pas l'œil de la nuit à cause de la chaleur écrasante et le manque de climatisation. La soirée était trop courte. Je regrette tant qu'elle soit terminée. Avant cette soirée, je n'avais pas le souvenir d'une rencontre aussi vraie. Vers 6h du matin, après une très mauvaise nuit où j'ai dormi à peine 1 heure, je décide d'aller à la gare pour lui dire au revoir une dernière fois. Je me moque du cliché. Je veux profiter encore d'un instant. Peut-être je n'avais pas tout dit. Je quitte l'auberge de jeunesse. Je ne connais pas d'autre moment où je préfère la ville. Toutes mes journées pourraient commencer ainsi. Être le premier dans les rues, calme, pour constater l'approche d'un nouveau jour, en extase, sous un ciel de plus en plus clair, lumineux. J'attends dans le hall de la gare centrale. Je lis sur les écrans les horaires des départs pour Paris. Aucun retard n'est annoncé. Le contraire aurait été à mon avantage. Je surveille son arrivée par l'une des 3 entrées principales. J'essaye de ne pas rater son passage. Je réfléchis aux mots que je vais lui dire. Je repense à la soirée de la veille, à mes souvenirs d'Avignon. Plusieurs sentiments se confondent. La crise commence. J'ai les larmes aux yeux en pensant que c'est la dernière fois que je le vois. Nous n'avons pas évoqué l'éventualité d'une retrouvaille.
J'attends sur le quai jusqu'au moment où il arrive par l'escalier électrique 10 minutes avant le départ du Thalys. Sans hésiter, je pose ma main sur son épaule. Je suis embarrassé. Je peine à trouver les mots. Ma tristesse est passée, en apparence. Je me souviens de cette phrase de Van Gogh. Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. Il ne connaît pas cette citation. Je lui rappelle la chance que j'ai eue de le croiser. Je sens que ma présence et mes paroles le déstabilisent, tout comme moi. Je suis déshabillé, je n'ai plus de masque, juste mon regard fuyant, apeuré. Nous échangeons quelques mots maladroits avant de se faire la bise. Nous nous quittons. De retour à Bruxelles, mon mal ne s'apaise pas. Je ne peux pas cacher cette histoire. Elle m'appartient. Je décide de l'appeler, parce que le temps avait passé. Mon but était de provoquer une rencontre, et elle a eu lieu. Mais pourquoi s'arrêter là? Je l'appelle le dimanche 23 août, en fin d'après-midi. L'appel a duré 6 minutes et 56 secondes. Il préparait ses bagages pour rejoindre sa copine à Paris. Il a interrompu la discussion car il était invité chez ses voisins pour un apéro. Il m'est impossible de savoir si mon appel lui a fait plaisir. En tout cas, il ne m'a pas semblé perturbé. Au final, cet appel ne m'a pas tranquillisé. J'avais besoin de l'entendre. Aucune discussion n'a été possible. Jusqu'à maintenant, je suis arrivé à préserver des amitiés grâce à des appels pour un anniversaire ou en envoyant une carte postale. La patience est nécessaire et souvent ces amitiés sporadiques méritent d'être connues. Seulement, je n'ai pas eu le temps de le lui dire. Depuis, je continue de prendre de ses nouvelles à travers le site de sa compagnie. Plusieurs moyens sont possibles pour remonter jusqu'à une personne. Les réseaux sociaux sont le plus courant. Puis, en visitant sa ville ou sa région, le rêve continue. Il existe. J'ai tenté de relativiser, d'admettre que cet épisode était passé. Je suis obligé de ne pas entretenir cette souffrance. C'est un échec, car un retour en arrière s'avère impossible. Je suis allé trop loin, j'en ai trop dit. Je garde pour moi la certitude que nos chemins vont se recroiser. Je me prépare à cette future rencontre, dans plusieurs années. Il ne me sera plus possible de lui adresser un mot. J'ai tout perdu. Je ne l'avais pas envisagé ainsi. En fondant une association de théâtre, je préparais mon avenir, semblait-il. Ce nouveau départ à 28 ans avait de quoi m'enthousiasmer. Au contraire, j'en étais effrayé. Je ne m'ôtais pas de l'idée que d'autres auraient mieux fait à ma place. Le nom de cette compagnie sera emprunté à un ancien ballet de Maurice Béjart, Acqua Alta, créé à Venise en 1975 avec les étudiants de l'ancienne école Moudra. Michel Robert met à ma disposition l'espace de son musée dédié à l'œuvre du chorégraphe. Ces murs n'étaient autres que l'ancien appartement du Picasso de la danse, devenu depuis 2008 une fondation d'utilité publique. Il m'offre ainsi l'opportunité de donner mon premier stage de théâtre. Je prépare une série d'exercices. Je suis aidé dans la communication par un ancien collaborateur de Michel. L'entreprise se révèle plus périlleuse. Et les frais d'inscription peu onéreux et la thématique peu courante ne me suffisent pas pour susciter d'éventuels participants. Étant confronté au désistement de dernière minute, le stage se déroule avec 4 participantes enthousiastes, dont une amie qui exerce le métier d'assistante sociale, une étudiante en art visuel et 2 comédiennes amatrices. Je n'aurais pas envisagé cet atelier avec moins de personnes. Le corps social nécessite la présence d'un collectif. Elles ont quitté leur appartement, les transports en commun ou leur lieu de travail. Elles sont passées par la ville, elles ont emprunté des rues pour arriver à l'adresse du stage. De jour comme de nuit, leur quotidien est rythmé par ces nombreux déplacements. Dans quel état sont-elles?
tout commence par leur présence dans un espace. La respiration permet de concentrer notre énergie. Cette nouvelle respiration est plus active, plus saccadée et donc plus ressentie. Elles cherchent progressivement à retrouver le centre de leur corps, une posture neutre détachée du rythme de leur vie courante. Elles peuvent prendre du temps pour oublier leur corps quotidien. Plus le travail est lent, plus l'état est nouveau. Faire le vide. Elles redécouvrent leur mécanique physique grâce à leurs articulations. Le mouvement passe par leur bassin, leurs épaules, leur nuque, leurs genoux, leurs coudes. Cet exercice devient possible quand elles relâchent leur tension. Elles cherchent une autre posture physique. Elles profitent de la place autour d'elles. Elles s'étirent, elles prennent appui contre un mur. Elles évitent de répéter un geste d'une manière mécanique. Plus rien n'est de l'ordre du commun. La détente est le principal objectif de cette séance. Un nouvel élément survient si l'une d'entre elles se déplace dans un rythme différent. Les autres prennent en compte ce changement. La marche est un premier exercice en soi, un point de départ. On donne à son corps d'autres possibilités de bouger. Je leur demande de ne pas être spectatrices du travail en cours. Au bout d'un certain temps, je sens que l'exercice se poursuit sans moi, qu'elles ont acquis une autonomie. Au début, il n'est pas encore question de jeu, mais de l'état du comédien avant d'aborder la parole. L'important est d'éviter la précipitation pour dire un texte. Elles ont besoin d'une énergie nouvelle pour énoncer un mot, une phrase. Il s'agit de remonter plus loin, de partir d'un nouveau début. La peau est ce qui demeure par-dessus tout. Dans notre société, dans une fête étudiante plus précisément, mon passage se résume à observer les peaux, telles que j'ai pu les voir dans un film ou une peinture. Est-ce que tout a commencé à 18 ans ? À cet âge-là, je n'ai pas cherché la fête. J'avais trouvé la nouveauté au cinéma et au théâtre. L'art nous rend pur. Regarder est le seul moyen d'être soi, de croire en la pureté du corps. Notre nature est un don. J'y suis entré et je n'en suis jamais sorti.